démarré le championnat, cette compétition européenne contre Sevilla, ça tombe bien pour nous parce que ça nous met directement dans le championnat. Mais bon, on attendait ça, non, quand c'était le tirage. Et on attendait des équipes fortes comme Sevilla. Et nous, on connaît que ça va être un match très, très compliqué. C'est l'Europa League. On connaît bien que ça est, c'est une des compétitions favoris pour Sevilla. Donc, mais nous, à mon avis, je pense qu'on doit de faire notre boulot. On doit de faire notre travail. Et être 100% concentré. Ah, on a un tirage avec une équipe super forte, Séville, et on commence chez eux en déplacement. Donc c'est sur papier peut-être le match le plus difficile. Donc on va essayer de se souvenir d'Ajax en déplacement. Et on verra si on a fait des progrès par rapport à un match où on joue contre une très bonne équipe en déplacement dans un stade surchauffé. L'ambiance les plus jolies à jouer football dans toute l'Espagne, c'est ici à Séville. Quand tu joues contre Séville, quand tu joues contre Betis, les supporters sont incroyables. Et demain, on doit de profiter ça, de profiter de... Ça doit tomber bien pour nous et garder ça et prendre ça d'une façon positive pour être plus prêt et plus concentré pour jouer ce type de match. On a envie de faire un bon résultat, on a envie de faire un bon match, ça c'est certain. Donc on va pas, il faut avoir de l'ambition, même si on sait que sur papier ils sont plus forts que nous. La clé qu'on joue ici à Sevilla, dans la Ligue espagnole, c'est il faut être concentré dans les petits détails, parce que après le match ça va vite et comme j'ai dit, tu connais la capacité qu'il y a Sevilla avec les joueurs devant. C'est une grande équipe d'Europe. Ses exploits dans l'Europa League le prouvent. Et quand on est capable de faire ça, je crois qu'on peut, on mérite le nom de grande Europe. C'est une équipe qui, pour moi, a le niveau de la Champions League, tout simplement dans les groupes, même pas dans les qualifications. Mais comme il y a beaucoup de bonnes équipes en Espagne, ce n'est pas toujours facile d'y accéder. Mais au niveau talent pur et qualité d'équipe, c'est une équipe simplement de groupe de Champions League.